Bonjour les amis, dans cette vidéo, je suis arrivé au dernier boss du Battle Road et comme vous voyez, j'ai pas utilisé le Dokkan. Et j'ai 4 Cell Junior avec un grand Cell. En plus, j'ai mon Vegeta qui part en enragé. J'ai vraiment bien commencé vers la fin. En plus, il me reste, oui, je vous dis, pas mal d'objets. Hein. On va finir les petits seuls. Hein. Bah, j'espère qu'ils font tous du LB sur mon Vegeta. Franchement, j'espère. Hein. Voilà, je vais vous montrer combien d'objets. Ouais, je crois qu'il me reste 3 objets de soins. Franchement, je vais dire cette team est puissante. Vraiment en termes d'attaque, très très puissante. Et non. Et il me reste encore. Je crois qu'il me reste des réductions de dégâts. Je vais mettre celui qui frappe le plus fort en premier, bien sûr. Parce qu'on n'aura pas le. Ah voilà, celle qui part en spé, super. Voilà, mon enragé est fini. On va quand même se soigner. Alors, je monte. Il me reste 1, 2, 3. 3 objets. Alors, on met un objet de défense. Voilà. Bon, on va réduire les dégâts. De toute façon, je suis obligé de partir en spé. Et celui qui a la meilleure attaque, c'est mon Goku. Ce qu'on va faire, on va mettre les persos comme ça. On va frapper celle-là. Hein. La pan, elle va nous régénérer, pour le peu qu'elle va nous régénérer. Et dommage que tu pars pas en spé. Mais voilà. Regardez-moi ça. Hop. On comprend 20 000 points de dégâts. Bon. Je vois combien de petits ennemis qu'on. Ouais, j'en ai raté un. Je suis sur PC, sur émulateur. C'est très très difficile. Hein. Bon, on va voir si on élimine tous d'un coup ou pas. Je sais pas si c'est le mien ou l'ami leader. 1 million. Oh! Un peu. Un moment. Un chouïa qui reste aux autres celles. Hein. Oh, elle a stun. Elle a stun. Super. Et voilà, normalement, le Vegeta, je mets en dernière position. Ouais, il va éliminer chaque petit cell. Mais je crois que si c'était mon Vegeto, il aurait éliminé. Hein. Ah, aucun doute, il aurait éliminé. Alors, on va mettre ça là. Celui-là, là. Il faut quand même éliminer le petit sel. Hein. On est full vie. N'y a même pas d'attaque ennemie et tout. Franchement, j'ai fait un bon run, il me reste, je crois, 2 items. Bah, si c'était mon ami, je crois que si c'était mon ami leader, toutes les selles, il serait mort. Hein.
Et on part full vie les amis, full vie. Il y a un item. Et encore, j'utilise un item en plus. On sait jamais. J'ai pas peur d'utiliser les items. Ah, elle part pas en spé, tant pis. Sinon, je pouvais utiliser la pan pour la pan, la Bulma en objet de soutien, vraiment pour monter l'attaque. On prend quand même cher, 41 000. Non, on va diminuer ses points de vie, ses points de vie, ses points d'attaque. Et voilà. La menacelle, c'est terminé. Il lui reste encore un item, mais... Ah! La petite pan abeille va l'achever. Ah non, non, elle n'a pas achevé. Voilà, on termine avec Végéto. Voilà. N'oubliez pas, je vais mettre en description de la chaîne le Facebook de mon ami Rosa Yuki. Des magnifiques dessins, je vous dis de vous abonner à sa page Facebook et n'oubliez pas de vous abonner et de mettre un petit like si cette vidéo vous a plu. Bye bye.